Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une tous et à tous une bonne année 2022. Les amis, oui, on est en 2022, la première vidéo de l'année 2022. Et il y en aura plein d'autres, vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui, on découvre le troisième jeu. Comme j'ai dit, en 2021, je fais une nouvelle rubrique à la découverte de jeux. Voilà, donc c'est le troisième. Donc les premiers et le deuxième jeu, vous pouvez le retrouver juste là, voilà. Donc aujourd'hui, on est sur le jeu Motor Tour, c'est-à-dire au volant de la ville. Voilà, donc on conduit toutes sortes de voitures, les amis. C'est un monde ouvert. Ce jeu est sorti le 17 décembre 2021. C'est un jeu PC uniquement, voilà. C'est créé par nos amis Jeux P3. Donc je tenais à les remercier de m'avoir offert ce jeu. Donc, comme je dis, on est en monde ouvert. C'est un jeu qui veut être réaliste. On peut soit jouer en solo ou en multi. On peut faire des courses. On peut faire contre la montre. On peut conduire, les amis, taxi, bus, camion et bien plus encore. Vous avez compris, les amis. En fait, on fait plusieurs métiers dans ce jeu. Donc, allez, on va commencer. Donc, là, je suis en camion. Voilà, tranquillement. On peut mettre la radio si on a envie. Un fond de musique. Voilà. Ça, c'est plutôt cool. Allez, on y va. Donc, il faut respecter le code de la route, les amis. D'accord? Comme c'est un jeu réaliste, faut respecter le code de la route parce qu'on peut se faire arrêter. Donc, voilà, c'est un petit jeu indé. Franchement, on est plutôt chouette. On fait beaucoup de routes, d'accord? On fait vraiment beaucoup de routes. On fait différentes missions. On peut livrer des marchandises. On peut prendre des gens qui font du stop. De toute façon, plus qu'on fait de missions, plus qu'on monte en grade. D'accord? Parce que pour faire différents métiers, il faut être niveau 2, niveau 1, niveau 3. Comme vous voyez, les amis, on peut acheter aussi des voitures. D'accord? Comme vous pouvez le voir. Voilà. Mais bon, il faut avoir des sous. Et nous, on n'en a pas. Vu qu'on vient de commencer le jeu. Allez, on va avancer. On va aller à la mission qui est devant nous. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, le but, c'est de chercher différentes missions, les amis. Voilà, on peut faire tout. Regardez, là, il y a le bus, par exemple. Voilà, donc là, on va sortir, les amis. Pour pas que ça s'envole, on va les attacher. Donc là, on sangle, les amis. Comme vous pouvez le voir, on va sangler. Donc, les amis, on peut mettre le clignotant aussi, hein, regardez, comme vous pouvez le voir. Donc là, il vous suffit de suivre le trait jaune, les amis. Voilà, vous voyez. Il faut bien respecter le code de la route, les amis. D'accord. Je mets mon clignotant parce que je vais tourner. Allez, taxi, là. Qu'est-ce que ça nous fait? Bon. Hein, voilà, il faut respecter le code de la route, mais nous, on n'a pas le temps. Allez, hop. Allez, on suit le trait jaune. Par contre, il faut beaucoup faire de route. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. C'est dommage, c'est qu'on voit pas le paysage. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Comme vous pouvez le voir. Ça, c'est dommage. Mais il faut faire beaucoup, beaucoup de route. Après, comme j'ai dit, c'est différents voitures. Mais pour l'instant, on peut faire que ça, les amis. Donc, bon, et après, logiquement, si tu veux t'amuser, les amis, il faut respecter vraiment le code de la route. Voilà, bon, moi je respecte pas parce que quand je double sur la ligne blanche, alors qu'il faut pas, c'est très, très mal dans la vraie vie, les amis. Très très mal de doubler dans la ligne blanche. Bien qu'il y en a, ils le font. Mais moi je le fais pas. Allez, on suit. Là, il faut la porter là-bas, comme vous pouvez le voir. Donc on y va. C'est très facile, les amis. Il y a différentes missions, comme je l'ai dit, il y a différentes missions. C'est vraiment un monde ouvert. Et ça veut être vraiment réaliste. Regardez le panneau là. Logiquement, il faut rouler à 43. Mais, comme j'ai dit, nous, on n'a pas le temps. Aïe, aïe, aïe. Ouais, comme j'ai dit, on peut se faire arrêter aussi. Et là, j'ai créé un accident. Du coup, hey, y a la police. On va se mettre de côté. Voilà, j'ai pris une amende. Voilà, j'ai pris une amende, les amis. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris une amende. Ah, vu que j'ai bien sanglé, les amis. Là, ma cargaison, je vous le conseille, les amis, ma cargaison ne risque pas de s'envoler. Par contre, je trouve ça dommage aussi, le défaut qu'il y a, c'est que ça tient pas beaucoup. Quand on va vite, la tenue de route n'est pas ça. C'est pas ça, les amis. D'accord? Comme je répète, les amis, vous pouvez trouver uniquement sur PC.
Pour l'instant, c'est des jeux PC. Le prochain jeu, les amis, je peux vous l'annoncer, les amis, c'est un jeu PS5. D'accord? Ça sera un jeu PS5. Voilà. Ça sortira jeudi prochain. Là, essentiellement, j'ai sorti deux vidéos pour rattraper le temps perdu, les amis, d'accord? Comme j'avais pris un peu de retard, du coup, j'ai voulu sortir une vidéo jeudi, comme vous, vous pouvez la retrouver juste là. Et là, j'ai sorti une vidéo dimanche. Voilà. Comme ça, je rattrape le temps perdu. Allez, je dépose ma marchandise, les amis. Vous voyez le carré jaune, faut le déposer là. Voilà, collecter la marchandise. Voilà, charger. Là, faut repartir, les amis. Voilà, qu'on a pris le petit chargement, on repart. Voilà. Comme je dis, hein, les amis, hein, on repart, on fait toujours ça. Il y a toujours des allers-retours. Bon, comme je dis, j'ai envie de vous dire, après, ceux qui aiment bien les jeux comme ça, conduire, des trucs comme ça, franchement, c'est bien. Franchement, c'est intéressant. Je vous dis, on peut faire beaucoup de choses, les amis. Faire beaucoup, beaucoup de choses. Après, comme j'ai dit, il faut avancer dans le jeu. Pour l'instant, on peut faire que des livraisons et amener des gens un point A à un point B. Par contre, moi, je me fais vraiment choper par la police. Je ne sais pas conduire. Après, je vous l'ai dit, hein, les amis, la tenue de route, c'est pas ça. Je trouve qu'elle est mauvaise, la tenue rouge. Allez. Bon, les amis, vous avez rien vu, d'accord? On fait du métour à l'italienne, comme ça s'appelle. Allez, on le découvre. On va déposer notre colis. Voilà, regardez. On a déposé notre marchandise. Hein. Voilà, on gagne de l'argent. Voilà. Comme ça, on peut acheter des voitures aussi, si on veut. Allez. On va déposer le petit carton, là, qu'on avait pris tout à l'heure. Plus qu'on respecte, les amis, plus qu'on respecte le code de la route, plus qu'on gagne des points aussi. Hein. D'accord? Vous l'aurez compris. Mais bon, ouais, ça m'énerve parce que... Bah, ça m'énerve. C'est que ça va pas vite, quoi. Regardez, comme je l'ai dit, les amis, quand le jour qu'on aura le bus, regardez, il faudra s'arrêter et eux, ils attendent le bus. Et il faudra les prendre. Tu peux aussi modifier, tu peux mettre de l'essence aussi, les amis. Tu peux mettre de l'essence, mais encore une fois, c'est payant. D'accord? Tu peux aussi réparer ta voiture. Hein. Franchement, tu peux tout faire, hein, les amis. Vraiment, tu peux tout faire. On peut mettre aussi les lumières, les amis. Hein. Là, les lumières, clignotants. On peut aussi être en mode comme ça. D'accord, on peut être en mode comme ça, mais moi, personnellement, j'aime pas. J'aime pas trop le mode comme ça. Je préfère le mode normal. Parce que je trouve que le mode comme ça, on voit pas trop. Je vous dis, ouais, il y a un cycle jour et nuit, d'accord. Franchement, les décorations, c'est plutôt pas mal. Hein. Après, on fait beaucoup. Après, je trouve que c'est dommage, c'est quand on fait de la route, on voit pas des maisons, des trucs comme ça. Bon, c'est dommage, mais ça reste un bon jeu quand même, les amis. Hein. Franchement, si vous aimez conduire, si vous aimez des jeux. Les jeux comme ça, c'est très facile. Hein. Et c'est plaisant, hein, les amis. Franchement, c'est plaisant, ça détend. Ça détend. Ça détend un petit peu. Ah, faut vraiment aimer ce style de jeu, les amis. Hein. Je dis, comme je dis, les amis, je découvre des jeux pas forcément auxquels que vous pensez. Bon, pour l'instant, après, je sais pas si c'est le genre de jeu que vous aimez, les amis. Mais, de temps en temps, je vous dis, ça détend un petit peu, les amis. Comme là, j'ai dit, les amis, on rentre dans un cercle de jour. Voilà. Je vous dis, hein, il suffit d'aller à un point A à un point B. Quoi. Il y a une nouvelle mission, mais je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On va le découvrir ensemble. Là, regardez, les amis, comme je vous avais parlé. Lui, il fait l'autostop. On peut le prendre. Voilà, regardez. Hop. OK. Voilà. Bon, c'est pas sur ma route. Je vais déposer le colis. Et après, j'irai déposer le client. Franchement, c'est un jeu qui ne prend pas beaucoup de place, les amis. Hein. Ça prend que 4 go. Ça va encore. De RAM. Allez. On peut être aussi policier, les amis, d'accord. On peut être aussi policier. Voilà, on arrête des voleurs et tout. Mais, comme je dis, il faut différents niveaux. Allez, on va déposer notre colis. Là, il faut bien se garer, les amis, d'accord. Voilà, on a déposé, on a gagné de l'argent. Donc... Si on veut, après, on peut déposer notre client, les amis, d'accord? Donc, voilà, les amis, qu'est-ce que je pouvais dire? Après, j'ai pas dit grand-chose, les amis. Comme j'ai dit, vous avez découvert que des livraisons, que des gens qu'on prend en autostop. Comme je vous l'ai dit, les amis, on peut être chauffeur poids lourd, on peut être taxi. Vraiment, on peut faire différentes choses, les amis. Différentes choses. Je vous fais plein de bisous, les amis. Merci d'être aussi fidèle. Franchement, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir, que ce soit sur les lives ou les vidéos. Ça fait vraiment plaisir, les amis. Ciao, ciao, bye bye.
bisous bisous. À une prochaine fois les amis. À une prochaine fois. Salut salut. Ciao.